Bouchama Safka, je suis directrice de l'association Nissa Wadnoun à Guilmim. Et j'étais partie parmi les participantes de la 4e édition de Sahraouia, que j'étais très ravie d'être parmi eux. J'étais comme une star, j'ai pu finir les 5 étapes. Moi, on était comme couple, moi et ma fille. Et je voudrais remercier la Fondation Fausse Boucla parce que c'est elle qui m'a donné ce plaisir de participer à cet événement, qui est un événement très, très bien organisé. Et cette année, je suis venue comme responsable de plusieurs équipes qui sont venues de Guilmim Wadnoun. C'est pour ça que j'ai fini les étapes. Pour pas qu'ils disent que non, les Sahraouiettes, parce que c'est vrai que la femme Sahraouia, elle est un peu loin de sport, mais moi, j'ai existé pour finir les étapes, pour être un exemple de la Mara Sahraouia. Tariq Lemlih, coach sportif, coach de nutrition et bien-être. Le but de ce challenge, c'est l'omniscipation de la femme marocaine et la femme sahraoui en particulier. Ce challenge, il est de 3 challenges, ce n'est même pas qu'un seul challenge. Il y a la VTT, le vélo, il y a le bootcamp, parcours de combattants, et la troisième chose, c'est un trail. Trail en anglais, c'est chemin dans la montagne. Et c'est un chemin sur les dunes et les dunettes, sur le Oued de Sahraouia Al-Hamra, d'un kilomètre et demi, le VTT 1,5 km, un bootcamp avec 4 ateliers, 4 parcours. Premièrement, c'était un petit peu difficile, mais vu l'expérience, vu qu'ils nous ont essayé sur place, je veux vous donner un exemple tout simple, tout bête. On était à Guilmim, on a contacté beaucoup d'associations qui travaillent dans l'anticipation de la femme, qui travaillent avec la femme, pour venir faire un atelier sur la nutrition, sur le sport. Et là, le lendemain, on a fait un bootcamp et du sport et le trail. Et là, tu bâtis la confiance, tu bâtis des bonnes valeurs. Et là, la confiance, elle est solide. Il y a un contrat social entre nous et ces femmes-là et les hommes qui nous ont poussé les femmes à venir participer. Ils ont un mental d'acier, ils sont très, très forts mentalement. Ils ont une vraie parole, un vrai mental. Et moi, je suis heureux de travailler avec eux. Si tu as le mental, c'est 90% du sport. Si tu as le mental, tu vas te dépasser. Le corps, c'est que du plastique. Mais si tu as du mental, tu vas te surpasser, tu vas faire des merveilles.